tout le monde et bienvenue dans cette quatrième saison de Sky Defender. Quel est le con qui m'a foutu une pomme de notch. Arrêtez. Oh putain. Bon, donc quatrième saison de Sky Defender, enfin elle est là, elle a été repoussée, au final elle est enfin là. Cette saison nous sommes 24 participants, hein, que vous pouvez voir tous autour de moi. Il y a des anciens, il y a des nouveaux, des habitués, bref voilà un bon petit cocktail. Petit très rapide rappel des règles pour ceux qui découvriraient la série dans cette quatrième saison. Skydef, c'est un jeu PVP dans lequel des attaquants et des défenseurs s'opposent pour le contrôle d'une cité que vous pouvez voir là, derrière nous. Pour que les défenseurs gagnent, il faut que tous les attaquants soient morts. Et pour que les attaquants gagnent, il faut que tous les défenseurs meurent et qu'ils récupèrent la bannière qui se trouve tout en haut de la plus haute tour du château à l'intérieur. Voilà. Cette saison, le château a été fait par Sky Group et l'île par Big Bubble. Donc on les remercie chaleureusement. Merci. Bravo. Merci à eux. On remercie également la team du serveur Action pour tout le nouveau plugin. Vous allez voir qu'il est vraiment top, ainsi que le serveur sur lequel nous jouons. Voilà. Petite particularité de cette saison, vous avez remarqué, j'ai pas présenté les teams tout simplement, puisque cette saison les teams sont secrètes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que question connaît ses coéquipiers, les autres non. C'est-à-dire que Brioche il connaît ses coéquipiers, mais moi je sais pas avec qui est Brioche, et vice versa. Donc vous êtes pas peut-être que si, peut-être que je suis avec Saradine, peut-être que je suis avec... Je ne sais pas, vous verrez ça. Je la sentais venir celle-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à naviguer dans les différents points de vue pour savoir un petit peu quelles sont toutes les teams. Nous on le saura certainement au fur et à mesure. Donc au niveau des teams, il y a 5 teams de 4 attaquants et une team de 4 défenseurs. Donc autant d'attaquants que de défenseurs par équipe cette saison, c'est une première. Petite particularité également, lorsqu'un joueur meurt, on ne sait pas qui c'est, hormis que c'est un attaquant ou un défenseur, c'est-à-dire un attaquant est mort ou un défenseur est mort, ni qui l'a tué. Donc ça, voilà, suspense. Ça peut très bien être quelqu'un de votre team, si vous vous séparez, on ne sait pas du tout. Il y a juste le message, hein, je vous rappelle, mort ou tué, qui diffère en fonction de la nature de la mort de la personne. Du coup, vu qu'on ne sait pas qui est qui, machin et tout, qui est mort, dans le scoreboard, il y a le nombre de joueurs encore en vie qui est affiché, donc comme ça, ça vous donne une indication. Il faut savoir qu'on a désactivé le tab pour savoir la liste des joueurs encore en ligne, pour accentuer le côté secret du truc. Et petite précision importante, je préfère le préciser cette fois-ci parce que c'était pas clair les fois précédentes. Les attaquants ont tout à fait le droit de venir piller les coffres du château des défenseurs, hein. Donc ça peut être une raison de venir, même si vous voyez que les défenseurs sont pas là. Vous pouvez venir pour piller les coffres, donc je m'adresse aux défenseurs. Vous pouvez aussi planquer vos coffres au cas où, quoi, si jamais vous absentez. Et également, petite nouveauté, si vous êtes perdu, il n'y a plus besoin de faire slash spawn, il y a une flèche dynamique qui est dans le scoreboard qui vous indique le château. Donc vous avez juste à la suivre, ainsi que le nombre de blocs auxquels vous êtes du château. Et cette flèche, si vous êtes dans le nether, elle indique le portail par lequel vous êtes rentré dans le nether. Donc vous n'avez plus à vous emmerder à prendre les coordonnées. Si vous sortez du nether et que vous y re-rentrez plus tard par un autre portail, ça s'actualisera, ça vous dira toujours le dernier portail par lequel vous êtes rentré. Et évidemment, petit conseil, faites gaffe au niveau des achievements qui, eux, sont visibles. Donc imaginons, sinon quoi, on voit 4 mecs qui rentrent dans le laser, bon, on sait que vous êtes en team, quoi. Hein. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez les cacher ou pas, ça peut faire partie de votre strat. Et dernier petit truc, alliance autorisée, comme la saison dernière, donc si la somme de la nouvelle équipe n'excède pas le nombre initial. Donc si par exemple, NT, je dis ça vraiment au hasard, oui, venez à croiser par exemple Poppy, vraiment au hasard, quoi, tu vois, et bien si les deux sont sans team, ils peuvent s'allier, eux deux, plus, bon, on va dire Hunter et Wolf par exemple. Non, Hunter, mais... il était mort. Ouais, bon voilà, bon, bref. Bref, peu importe. Voilà, vous pouvez vous allier jusqu'à 4 maxi, mais je vous rappelle qu'à la fin, de toute façon, il n'y a qu'une team qui récupère la bannière. Voilà. En sachant que pour cette saison, la bannière est indestructible tant que les défenseurs sont en vie, comme ça, voilà. Et dès le moment où un attaquant décroche la bannière, ça mettra un gros message dans le chat et tout pour vous avertir. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, sinon on peut démarrer. On diffuse quand? Pas le 1er août. Non, c'est ça. Est-ce que tu peux parler du joueur warrior, du solitaire aventurier qui s'est fait abandonner par son équipe et qui a gagné le dernier Skydef qui ne sera pas diffusé tout seul? Alors tu parles de toi là? Tu parles de toi? Non, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Oh bordel. Bon allez, sans plus tarder, on démarre cette nouvelle saison. Bisous. Allez, à plus. Bisous. Bonne chance. Enfin, zizi. Zouz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 
T'en penses quoi de la map big? Elle est dégueu, hein. Ouais, spawn ouais. De merde. Ouais, ouais, peut-être virer vers la forêt. Oh, y'a des poneys. Venez, on On est juste dessous l'île, par contre. C'est pas... Ouais, on va se barrer. Ouais, parce ouais, je pense. Oui, d'accord. On va prendre des arbres, puis on se taille, quoi. Oui, d'accord. Canne à sucre. Pas envie que les défenseurs nous attaquent. Ouais. La canne à sucre, faut pas en laisser aux gens. Ouais, ouais. Moi, je vais aux arbres, hein, perso, parce que dès... La même. Sinon, on aura pas de bouffe, ça va être trop la merde. Tout à fait d'accord. Y'a pas de mob. Donc les femmes, vous faites la cuisine? Ouais, ouais, comme d'hab. Hein, j'avais oublié ces remarques là. Toi aussi, tu l'avais oublié. Pas manqué. Ah merde, j'ai plein de cœur. C'était cool. On régène de version de cette série. Est-ce qu'on régène? Oui, on régène, j'ai peur. Et j'ai fait un... je me suis fait un plaisir fou à me moquer des demoiselles. Parce que c'est des demoiselles, donc le sexe il faible. Il va continuer, hein, bien sûr. Le sexe faible. Malheureusement, c'est pas diffusé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va refaire la même chose. Non, il faut se rattraper, oui. Ça va bien se passer, hein. Parce que les mecs ont tendance à ne pas savoir innover, c'est vrai. Ouais, non, mais ça, c'est pas nouveau. Elles vont se rebeller, ça va faire deux équipes en plus, et... Wow. Est-ce qu'on va faire des alliances si les femmes de notre alliance à nous ont perdu, enfin, ont pris le pouvoir, ont essayé de nous tuer, enfin, des trucs comme ça, non? Attends, d'ailleurs, il y a le Friendly Fire ou pas? Oui. Il y a Arm the Beach qui est juste là-bas. Les gens, il y a des gens. Non, je me décale de Star Wars. Essayez de récupérer la bouche. J'ai de la cobble, moi, là, je prends la cobble pour tout le monde. Si attends, je crois qu'il faut fermer notre gueule, parce que... Oui. Non, non, on n'a pas le droit de se taper. Puis de toute façon, mais on sait jamais, il peut être énervé. J'ai comme faire une épée en pierre, donc si, ça, si il veut vraiment être énervé, je le tape. Et mais voilà. Vas-y, vas-y, là, faut aller les maroufler. Enfin, si, ils viennent. D'Amido direct, bim. Mais c'est ça, attends. Petit coup de marouflage. Évitez de faire vos achievements, peut-être. Moi, moi, j'avais déjà fait Taking Inventory, donc... Bah, moi, c'est pareil. J'ai ouais, fait tous vos outils en pierre, comme ça, vous les craftez pas. Il y a déjà une table de craft ou pas? Oui, ah, voilà, oui, c'est bon. Oui. J'ai pas crafté la table, normalement, c'est bon. J'ai du charbon du coup. Ah, y a une bonne grotte là, hein. C'est dommage. C'est dommage. C'est ça la bonne grotte? Ok, oui, t'es là. Ouais, du coup je prends un peu de charbon histoire de... Yep, je vais faire pareil. Monsieur, ouais, c'est... je vais craft la pioche et tout en pierre. Ok, comme je veux ça, bien. Vous avez pas les achievements. Je me fais les pommes en attendant. Ok, ouais, je veux bien. Du coup je peux faire... Hop. Ouais, en bouffe on va être très très juste. Hein. Ouais, si on prend rien. Enfin, j'ai trois steaks qui se battent en duel. Moi j'ai rien du tout. Moi j'ai rien du tout. Et une pomme, mais... Moi j'ai une pioche pour vous trois. Ah ça va être dur, il va falloir la partager, ça va être chiant. Ah merde, je t'ai pas donné la bonne, je t'ai donné la mienne, bon c'est pas grave, c'est bon. Utiliser. Et puis Big, j'ai une pioche pour toi aussi, je sais pas où t'es. Merci. Big merci, merci. Ouais, où il est? Je crois qu'il il est mort. Non. Déjà c'est rapide. Big Bull. L'épisode 1 est pas fini, mais déjà c'est de l'homme. Il est déjà parti à Tatawin les bains là, on sait plus où il est. Mais c'est juste au point de vue idée de merde, on a eu une très bonne, on est juste à côté de leur truc pour se. Ah. C'est vrai? Bah ouais, on est juste à côté, je suis allé visiter. T'es allé dans le château alors, c'est beau? Bah ça manque un peu de décoration, mais c'est plutôt pas mal, ça a l'air cosy. Je te permets pas, non non, je te permets pas, tu dis ça. Je sens les builders du château. Oh les relous. Ah le mec. De builder. Oh non, c'est pas non. Sortez. Non. Ah salut, Oust. On se tue pas au premier non. épisode. Allez Oust, dégagez. Attention, j'ai une épée en pierre, vous êtes où? Oh. J'aime beaucoup votre Etsy. Oh bah non, on est plus que deux déjà. Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'as? Ok, oh, on sait qui les défenseurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des graines? On a rien fait. Oh. Ah ouais, je veux des graines. Je veux des pouces. Avec, hein. Voilà. La défense, on la défonce. Pardon. Ouais, il y a Sifano avec vous, je pense. Ah oui, Sifano, il l'a directement dit dans l'intro. Big, bouge pas. De quoi? Vas-y, donne. Je vous propose qu'on s'en aille. C'est tout. Il y a de la bouffe aussi. J'ai pas tout craft, j'ai pas. Vous aussi. Une grosse ravine. Ouais, bonne merde. Une série de défaites. Bon, est-ce qu'on se dirigerait pas vers le spawn? Parce que là, je sais pas où on va. Ouais, repartez vers le spawn, hein. C'est pas sécur ici. Ça serait cool. Faites gaffe, on est dangereux. Hein. Enfin, pas... enfin, elle quoi. Une équipe de bois cassé. Big. Ouais. Ouais. W. Mais tu veux pas me donner une hache plutôt que je que genre tiens, je me fasse les pommes? Ouais là je me fais les pommes. Moi je me fais les points là. Y'a pas besoin de je pommes, on est pas en ultra hardcore. Bah ouais mais c'est toujours bien. Ah ouais, bon bah popo du coup. Quoique. Non je pense là on prend du bois et puis on va chercher surtout de la bouffe quoi. Puis il faut vite s'enterrer puisque les autres sont... Mais c'est pas pareil. Eux ils ont déjà des coffres, c'est ça, ils ont déjà leurs coffres. Nous on est plus fort que ça. Bon on se barre. Ouais je pense. Ouais ça me paraît bien. Je pense qu'on prend encore les 15 bûches encore, histoire de se mettre bien, je sais pas comment on en est.
Ouais, vas-y. Comme ça, les autres, ils ne prendront pas. Qui les autres? Ah, vous faites la c'est même chose. C'est qui les autres? Non, c'est mais qui on a les déjà autres pris la canne à sucre, on a déjà pris la canne à sucre pour que les autres puissent la oui, prendre. Mais nous, on en a besoin aussi, donc c'est pas grave. Ah, vous voulez passer pour décorer chez vous? Ouais, voilà. Espèce de connard de bobo. Il en a ramassé. Ah, j'aime pas être proche de vous, là, avant l'épisode 2, ça me stresse. Non, t'inquiète, ils sont gentils. Ouais. Big, il est où Big? On a perdu le Big. Il était pas en train de récupérer du bois, je ne sais où. Bah si, on a perdu Big et Sienna. Ah, ils sont là. Non, les défenseurs, ils sont déjà paumés. J'ai récupéré un peu plus de bouffe, c'est pour ça que je me suis éloigné. Ok, bon, on est bon, je pense qu'on va se tailler, quoi. Ouais, ouais je pense. Allez, par où? Par là, je pense. Si en diagonale. Perdre. Ouais. Bah, derrière, ouais, il y a une forêt là-bas, au pire. On traverse l'eau. Vous aimez bien sauter, hein. Oh que oui. Non mais non, on n'est pas de double lecture. Non mais non. Ah, il y a un trou. Pardon. Ah, c'est une double lecture, ça c'est... Aïe. Il y a un truc bien dedans. Bah, charbon... Oh, faille, il y a une faille. Il y a une faille là. Bon, accessoirement, il y a des squelettes, des zombies... Moi je suis en bas, j'ai dû faire. Covider la faille des défenseurs, justement. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ah ouais, ouais. Par contre... Mais il faut pas qu'on y reste trop longtemps. Vous quoi. Avez des fours pour de la bouffe ou ce genre de choses? Ouais, Big, j'ai de la cobble pour faire des fours. Unster? Ouais, pose. J'ai ça. Big, faudrait que tu fasses les fours pour que ça me donne moins des achievements en fait. Bah, pose la table de craft. J'ai pas de table de craft. Dis-moi quand je suis à côté, sinon. Vas-y encore un peu. Vous êtes remonté, moi je suis en train de descendre en fait. Okay. Il est où ce con? Ah non, bah deux blocs derrière. Là, t'as une table de craft sur toi? Ah. Ah, il est tombé, merci. Voilà. Bon, bah je vais faire... La sécurité! Achievement. Non mais viens, Big, viens. Ah, je peux te la faire, ta table. Bah, trop tard. Okay. Vous êtes sûr de faire la fin? Voilà. Il y a un peu une witch qui nous attend. Oui, écoutez, venez, on part. On est quatre, elle est toute seule. Non, mais franchement, moi, oui, je mais c'est une witch. Qu'on s'en aille. Parce que, ouais, en fait, on est juste à côté des défenseurs. Moi, j'ai un peu de fer, mais... Enfin, y a pas l'air d'avoir grand chose quoi dans la faille. Y a pas grand chose. Y a juste un peu de fer, mais j'en ai déjà un petit peu. Enfin, je trouve pas ça très très utile quoi. Ouais, enfin du fer, il nous en faut quand même. Y a ouais, du mais fer, on va y plus y a risquer de aussi. Mourir vu que on va se oui, mettre non, dans mais la je suis grotte. D'accord, parce qu'on a zéro et stuff, après ils vont arriver. Et épisode 2 et on pourra se faire buter quoi. Mademoiselle. Ah, pour une okay. fois. Bon, allez, on se taille. Vous voyez, il suffit de faire ça, comme ça, elle est heureuse quand on est d'accord avec elle. Moi, je crois pas qu'on se taille. Hein. Bon, je suis désolé, j'ai volé toute la bouffe, mais. Mais ça va mettre 8 heures à cuire donc on se barre. Oui je pense que c'est bon. Fera qui dit ça pour se donner bonne conscience? Non c'est juste pour voler la bouffe, enfin, je viens de vous arnaquer, je suis la taupe. Pas de pression. Ok, j'ai 6 de sable pour faire les popos, au cas où on sait jamais. Waouh. Moi je me taille, hein, je reste pas à côté du spawn. Hein. Je sens qu'on va croiser notre team, franchement. Pardon. Tu parles encore toute seule? Ouais, j'aime bien. C'est la meuf un peu chelou, on veut pas rester avec elle. Suivi médicalement? Ça va. Je me porte, écoute. C'est les gens dans ta tête. Bah, il me parle, mais bon, voilà, quoi. Je fais avec. Elle est curieuse. On dirait vraiment qu'elle sait où elle va, c'est ça qui est beau. Ouais, t'as vu? Je te suis, hein. Ouais, bah suivez-moi, écoutez, je vous amène vers... je sais pas quoi, mais... je vais pas relever. Bon, moi, je peux plus courir, par contre. Ah, y a des vaches, oui, pour le cuir. Coquine. Oh, tout de suite. C'est bien, et je monte pas du tout, poulet. Je suis passé par là. Hunster, tu veux pas poser un coup oui, au four? Oui, du cuir. T'as faim? Ouais. J'ai une viande cuite. J'avais pas besoin dans le lapsus, enfin pas tout de suite en tout cas. Surtout qu'on reste où êtes-vous passé? Parce qu'au final c'était moi qui dirigeais mais je sais plus. On est là! On est là! Fais ça l'oreille. J'ai plus de quoi courir. T'as du cuir, c'est ça? Ouais, j'ai du cuir du coup. Oula. Bon, on s'arrête à un moment? Bah là il y a une grotte. Ah, ça cherche les grottes et tout, on est optimisé. Moi je creuse comme un connard. Là, regarde. Parfait. C'est beau, il y a du fer et tout. C'est beau. Je réinstalle les fours et table de craft. Okay. Ah, parfait. Je fais... Oh, il y a masse de fer, c'est un gros filon, ça. Hop.
T'as pas d'autres fours? J'ai du poulet. Moi j'ai quelques steaks. J'ai de quoi mais pas faire grand tes chose. Fours. Franchement, il y a masse de fer dans la grotte donc on va se mettre bien. Ah, c'est cool ça. Je t'ai fait deux fours, amuse-toi bien. Nickel, merci. Alors personne n'est passé par là visiblement. Très bien. Bon, il faut qu'on commence correctement cette série. Ah bah si, ouais. Bah si, Anna, elle avait juste pas vu. Non, si j'étais ah non, tu viens d'arriver. On met personne derrière nos fesses, qu'on évite d'avoir une éruption. Ouais, moi aussi j'aime pas avoir des gens derrière mes fesses. Là comme ça. What? Ah bah Sylphano, last saison non diffusée, Remember, moi je dis. Hein. Ah ouais, non, mais... Remember, qu'il a tué Sianna, pardon. Ah oh, si. Ah oui, toi t'aimes moins, même. Mais non, mais les gens, j'ai une trentaine de fer déjà. Mais je sais pas si on a le droit, c'est surtout ça. Alors non, la règle avec Sif, c'est que tu prends tes droits tout seul. Tu les prends et tu dis, oh, ça va peut-être passer. Bon, j'ai 32 fer. C'est déjà pas mal. Ah oui, carrément. Ah oui, au calme. Et tu joues pas avec nous en fait, t'es dans le futur. Bah non, mais je dis qu'il y a beaucoup de fer, moi je me sers. Hein. Bah, je vais te suivre et je vais ramasser les minerais. Prends le charbon, comme ça tu torches. Calme-toi, me manque pas de respect comme ça. Ah bah écoute... Moi je te vole tes minerais, c'est ça la règle. Le reste, tu te débrouilles. C'est moi qui les ramasse depuis tout à l'heure, pour info. Grave. Non, non. Fais gaffe, je torche pas, on va vivre dans le noir, j'ai des torches mais je les utilise pas. Par contre j'ai plus de bouffe et ça c'est pas cool. Ouais moi non plus j'ai plus de bouffe du tout. Viens on se fait une petite table de craft là. Une table de craft? Pour de la bouffe? Qu'est-ce que tu veux pour se faire cuire Bah non, on va ramener les fours. Ouais rejoignez-nous, ça part bien par là. Ok, ramenez la bouffe. Ça part vraiment bien, on est bien parti je pense là. C'est vrai qu'on a un starter quand même plutôt intéressant parce qu'on a une bonne quantité de minerais. Ouais bah là on est bien hein. Ouais. Franchement y a moyen. Là je pense qu'on a gagné. Ouais, ouais, il y a moyen, franchement. Je sais pas si c'est eux que je vois au-dessus de nous. Si c'est eux que tu vois au-dessus de nous, c'est pas mon signe. Enfin. Bon, essaie de nous rejoindre, comme ça on... Vous êtes où? Vous êtes sûr qu'on a assez de bouffe, par contre? Parce que moi, j'ai 3 steaks, hein. Donc, comment vous dire? On s'installe où? Bah, je sais pas, une histoire, venez. Descendre, parce que ouais, ouais, c'est pas mal ici, mais faut descendre un peu brutalement. Vous venez? Ok, nickel. Yep. Ok, on y en a gagné une faille par là. Il y a pas mal de choses par là. Il y a des creepers, faites gaffe, il y a des creepers. Faites gaffe, bébé. Oh, okay. Il est trop mignon. Pardon. Juste fais gaffe, là, il y a un creeper. Je vais essayer de le gérer, je garantis absolument rien. S'il vous plaît. Ouais, j'ai 2 cuits. Ouh, putain, je panique, les creepers, c'est pas possible. Merci. C'est bon, il est mort. C'est notre maison, sécurité, là, d'un coup. Ah mais ça rejoint là où on était en vrai. Sérieux? Ouais. Ouh enfin, un joli endroit avec plein de fer. Genre un filon de peut-être 10. Ah là aussi il y a masse de fer. Je crois qu'à la fin de l'épisode 1 il y a moyen qu'on ait assez de fer pour faire full stuff fer full pour stuff, tout le monde. Ouais. Ouais, c'est possible. Je pense, ou pas hein. Loin en tout cas. Parce que toi t'étais non, déjà une trentaine de fer c'est ça? Tu sais qu'il y a déjà genre de la lave et tout là où on est donc... Si t'as une pioche en fer viens là-bas. J'en ai une ouf. Ah non. Vas-y attends fais doucement là. Mais post cobble regarde. Mais non, t'inquiète. Bon d'accord. Moi je fais la version... Bah c'est un peu plus sûr. Un peu débile. Oh clairement. Hop. Bon, du coup les autres ils ont dû faire ou pas parce que je sais pas du tout. Je pense qu'ils en ont moins que toi. Moi j'en ai moins que toi en tout cas. J'en ai 27. Bah écoute j'en ai 47 là à peu près. J'en ai 27. Donc je suis pas détestable comme personne pour l'instant. Ouais pour le moment ça va, ça passe. Ça va, tu tolères? Ouais ça passe pour le moment. De toute façon, je m'en fous de ton avis, t'es une femme. Donc, on en était où? Tu crois vraiment que j'allais te donner le droit de parole comme ça? Et puis encore. Voter? Lol. Est-ce que tu pourrais me faire une pioche en... Bah, en fer, si possible, mais... Attends, je suis en plein fait. Vas-y, bats-toi. Oui, je sais, tu peux pas faire deux choses en même temps. Oui, c'est très compliqué. Je comprends. Mais c'est un truc de malade, la grotte qu'on a, là. C'est pas possible. Ah non, elle est monstrueuse. Elle est complètement monstrueuse. Faut qu'il descende encore, là. On va avoir un lac de lave et puis on va pouvoir aller nether, quoi, direct, limite. Bah. Épisode 2, moi je pars sur l'idée de finir un stuff full diams. Hein. Bah il faut les appeler Big. Ouais. Venez rejoignez-nous, ça part en cacahuète en bas, vraiment. C'est tout. C'est largement. Non mais là ça fait peur le message que tu dis. Bah non, c'est bien. Ça part en cacahuète. Ça part dans quel pays, c'est bien. Attention, ça part en... Enfin tout ça quoi. Mais Sienna elle est où? Elle est partie chercher de l'eau à la surface parce qu'il y a un lac de lave qui m'a l'air ma foi plutôt sympathique, un peu plus bas. Ok, faudrait qu'on se mette ici. Moi, faut que je fasse cuire du fer parce que j'ai un stack de fer en fait, pour tout vous dire.
Ok. C'est pas mal. Pas comme nous, toi. Bah t'es dans le futur. Trop trop. Elle est dans le futur. Non mais je suis vraiment content d'être dans ton équipe, Poppy. Hein. Poppy, oui. Bien ouais, t'es Poppy là, ça y est. Ouais, je me transforme en Poppy, c'est ça. Ah bah dès que t'as du stuff, oui. C'est la règle. J'aurais oh, fait cuire 42, moi, si ça c'est pas un putain de signe. Non, je pense, Bix, tu vois comment ça descend, faut qu'on aille en bas, quoi. Mmh. Ouais, non, plus tu descends, plus t'es riche. Ouais, non, mais là, c'est une tuerie en bas. Non, encore une fois, c'est une tuerie, c'est pas bénéfique. Hein. Bon, c'est super bien. C'est de la bombe non plus, n'essaye pas. C'est de la bombe. C'est de la bombe, wesh. Wesh. C'est pas crédible quand c'est moi qui le fais, en fait. Mais si, t'es un bonhomme. Je vais me faire une petite pioche en... Tiens, je te ferraille. Jette un peu ma merde là, tu m'en veux pas. Non, tu veux pas faire un coffre à merde. Je te fais un coffre à merde. Je déteste les... Si, si. Je déteste... Mais fais un trou, une poubelle, non pas. Non. Regarde, regarde, regarde. Je ne te ferai pas un trou, je te fais un putain de coffre. tu apprécies ce que je t'offre, bordel. Non, par contre, je garde la rotten flèche. Vu la bouffe qu'on a... Est-ce que je pourrais avoir 3 de fer, s'il vous plaît? Merci. Tiens. Oh, madame est trop bonne. Je te permets pas quand même. En toute amitié, bien sûr. Reste correct avec elle. Ah bah attention. Ça fait déjà 16 minutes, mais on est vraiment bien. J'ai un stack de fer. Ça fait déjà 16 minutes, on est vraiment bien. Mais on a plus Yana par contre. Hein. Ouais, on s'est plus aimé. Je l'ai oublié tout à l'heure. Bon, elle va nous retrouver. Bon, une de perdue, 10 de retrouver. Hein. Ouais. Sûr. J'ai pas d'idée d'où aller miner parce que après... Ah, wow squelette. Je me bats sans épée, il ne me touche pas. Oh, Siana. Et merde, elle est en vie. Non mais j'ai trouvé une faille. Ouais, mais là ça descend bien, je sais pas ce qu'on fait. Hein. J'ai un sac de fer, Siana. Enfin je les failles c'est dangereux. Oui, oui bah oui. Oh, plus jamais Sky. Mais là ça descend super bas, franchement, venez voir. On descend par là, moi je dis, et on va se stuff en bas. Comme ça, prochain épisode, on est en bas, on se stuff et voilà. Je pose un seau d'eau, tu voulais descendre. Pour le nether, on compte faire quoi? Bah si on est comme ça au prochain épisode, je pense qu'on peut tenter le nether. Et on vous rentre et on voit. Y aller le plus tôt possible, je pense. Bah c'est le plus tôt possible avant que les gens y aillent, quoi. Et... Ouais. Parce que je pense que là, on y est même avant les défenseurs, hein, très honnêtement. Pourquoi donc? Oui, voilà, c'est ça. Et on se fait tous dérouiller. Et on finit tous dans la lave comme des... Bon, bah au pire, on y va pas. Hein. Moi, je dis, on peut faire une as de pique aussi, on peut ne pas y aller. Hein. Faire une as de pique, c'est assez lâche. Comment non, on peut y aller, mais plus tard. Enfin, non, je parle de son corps, enfin, son physique, enfin, 1m60. Bon, là, il y a le psy. Bisous, on peut faire un petit portail ici. Attends, mais je suis au taquet, là. Moi, il y a un portail ici qu'on peut faire et tout, là. T'as combien de diamants? J'ai du lapis, j'ai pas du diamant mais j'ai du lapis, c'est ça c'est ouais, mais c'est moins beau et ça fait des moins bonnes armures. Hein. Ouais mais rappelez-vous la saison dernière le lapis, comment on l'a galéré pour le trouver. C'est pas faux. Tiens Siana, je te donne tout ça, fais un bon usage. Oui, bah, je suis en train de m'en occuper, je suis en train de faire du stuff pour tout le monde. Hein. Okay. Parfait, je vous apporte peut-être mon... Ah, j'ai de l'or. Oh là là, c'est une tuerie, oh c'est trop bien. Descendez, c'est trop bien, il y a des lacs de lave et tout. Ça t'étonne en fait? Ouais ouais, je vais aller parler avec elle me fait peur. Ok, il y a du lapis. Ah ouais, carrément, Big. Oh oh. Mais moi, je suis un fou, je me j'ai cru que j'avais du diamant, ça aurait été trop beau. Attends, Maria, je prends un ascenseur. Il est où? D'accord, on avait le même. T'as fait ça? Oui, je suis sauté. Aïe. Laisse-le me taper, hein, mec. Non, j'ai pas d'épée. Ah mais elle est déjà venue jusque là, en fait. Non, mais là, je suis descendu encore plus bas, j'ai redstone, j'ai lapis, j'ai de l'or. J'ai du fer. Ah mais en fait t'es ici. Non mais c'est moi qui voulais aller là, ok? Moi j'ai pas de stone, d'accord? C'est à moi le premier diamant, moi je te le dis. Hein. C'est à toi le premier diamant? Ouais ouais non mais oui. C'est une guerre. Ouais c'est ça, t'as tout compris. C'est officiellement une guerre. Ah, pour des soucis de droit d'auteur, je peux pas passer du diamant, mais en général ça m'encourage à trouver du diamant. Pour des raisons plutôt étranges. C'est hein, exactement pour ça que je fais ça. Tu vois, comme ça tu vas trouver du diamant. Ça, je te mets la pression là. Non, calme-toi, calme-toi. Trop de pression. Oh, du lapis par terre, tout seul abandonné. Mais si on n'a pas envie. Oh putain, il y a trop de fer, c'est pas possible. Bon, et eh ben on se laisse, on se dit à la prochaine. C'était Ah ouais Xena et Unstable Nature. Oh, oh yeah. Faut que je l'apprenne.